Jour numéro 20. Aujourd'hui, j'ai pas la grande forme. Hier, j'ai perdu mon animal de compagnie. W, c'était mon premier auditeur. C'était la personne, enfin l'animal, qui a toujours été à mes côtés lorsque j'étais dans mes home studios. Il a toujours été à côté de moi lorsque je composais de la musique. Lorsque je dormais, lorsque je mangeais, il a toujours été avec moi. C'était un animal que j'avais adopté dans un refuge il y a à peu près 13 ans. Et hier, en fait, il a vécu sa dernière respiration à nos côtés. Donc, il est décédé de vieillesse. Il était un peu malade aussi. Même s'il était soigné, je lui donnais des médicaments tous les jours. Mais c'est pas facile d'en parler en caméra. C'est pas facile d'en parler à des gens qui ne l'ont pas connu. Mais un animal de compagnie, en fait, c'est comme on dirait, c'est un peu comme notre enfant. Et c'est vrai que ça me fait un grand vide chez moi. Depuis l'avoir, depuis hier. Donc, aujourd'hui, je me sens pas d'une humeur à vous faire une morale ou à vous parler de moi. Plus que ça, en tout cas. Ce que j'ai juste envie de vous dire, c'est dans la démo que vous allez voir aujourd'hui, c'est une musique que j'ai composée en 2016. J'ai juste décidé de ressortir ce petit instrument virtuel qui m'avait inspiré sur cette période. Je ne savais plus quel était l'instrument. Donc, j'ai samplé la toute première note pour pouvoir créer une nouvelle mélodie qui ressemble à cette musique que j'avais fait en 2016. Cette vidéo de démo, elle est surtout basée sur le fait de sampler une mélodie. Parce que ça a été mon expression, mon choix, ma liberté artistique.
Thank you.